Here we go! Épisode numéro 3 du marathon et dernier épisode aussi de ce marathon. On est de retour sur la quatrième ligne, donc on a eu une mauvaise game à moins 3 et bang! The Rock get down to the third line, to the fourth line. Donc on est descendu sur la quatrième ligne, on joue avec Watson, mais dans la fois que j'ai été sur la quatrième ligne, ça a bien été! On a essayé d'y aller avec un tir violent. Oh, le jeune Baboum! Oh, oh, oh! Quelle mise en échec, là, The Rock, la quatrième ligne. J'ai des missions plus physiques, mais on peut y aller d'offensif aussi. The Rock s'amène. Il est débordé, la défensive. Oh my God, il a essayé de surprendre le gardien. Il n'y a pas d'option. On donne ça à la pointe. Watson, je ne sais pas donner ça facile. Non, 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 Eric Fair. Colin Miller, Eric Fair. Bon, on a eu une bonne chance, il aurait peut-être fallu amener une poconnette. Come on! Good save. Colton Sissons récupère. Et on passe vers The Rock. On demande un changement. Parfait. Je vais amener Sonnette et je vais aller changer. Il reste 15 minutes. Combien de temps qu'on va passer sur le banc en tant que quatrième trio? Et là, il y a un but. Ça peut être pour les prédateurs de Nashville, c'est positif. Et voilà, et on est resté 5 minutes sur le banc. Donc on a eu deux chiffres, on a eu un chiffre en 10 minutes. Sur le quatrième trio, Seroff, Bergeron, revirement, that's it, Colton Sissons. Le dégagement, là, on mène 2 à 1, donc mission défensive. Oh là, oh, good job. Solomaki, solidement frappé par Bergeron. The Rock ne laisse pas ça passer. Good back check. Et on est reparti. Piqué Subban, longue passe à Roman Yossi. Se fait frapper. Brand Marchand. Oh, come on. Bergeron. Pas l'option pour Patrice. Ça rentre pas dans la zone non plus. Solomaki. Colton Sissel est en échappé. Non, c'est raté là. Beau back check de Chara. Sissons. Passe à The Rock. Tir bloqué par Tukaras. On drive le net. Wow. C'est ce qu'on appelle drive le net, ça, les boys. Et voilà, on a fait notre job, on a eu un chiffre d'une minute, on s'en va changer, combien de temps qu'on reste? Oh, that's it, et on a encore du power play time, ça au moins c'est positif. Face off, on a du temps en power play, Piqué Subban, la passe, Yossi. Come on Smith, faut-tu rentrer ça dans la zone? Non, pas de feinte, ça prend une action, le Derek va aller chercher le puck. Et on va break out, Derek s'amène. Longue passe, oh, c'était presque raté, c'est Colton Sissons avec... Oh, what the hell, faut-tu rentrer ça dans la zone, man, come on! Oh, non, 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 tu frapperas pas souvent de même! Oh, que non, David Backes, c'est non! On a eu beaucoup d'occasions pour se battre, là. Ça, c'est pas moi qui l'ai initié, là, c'est David Backes qui est allé se battre contre... qui est allé frapper Subban de façon violente et... C'était quasiment à sauce un ref, là, honnêtement. Là. Et oh, ça va bien pour The Rock, là. Faut juste parker ces shots. Here we go. Here. Non. Oh, come on. Faut-tu les vite? Here we go. Bang. Oh, non. Come on. Faut-tu les vite? Fuck. God damn. On était tout proche. Faut que je gagne, mais. Non. Blessé, vous donnez à fond. Votre blessure va être examinée. J'espère que c'est moi. Mais non, mais je suis blessé. Je suis blessé. Oh, non. God damn it! The Rock est blessé suite à cette bagarre. Combien de temps qu'on va avoir? Aïe, aïe, aïe. C'est ça que ça fait, se battre. Il fallait s'en attendre. Est-ce que les Prédateurs de Nashville vont pouvoir conserver leur avance malgré la blessure? Oui, on a marqué 2 buts. Vous voyez ce que ça fait quand je me bats? That's it! Grosse victoire de The Rock et les Prédateurs. Malgré la blessure, j'espère que ça sera pas très long. J'espère qu'il me calissera pas genre 86 matchs. Asti que ça serait ridicule. Pour une bagarre en plus. Donc, The Rock. Comment ça a été et comment ça va aller pour sa blessure? On va simuler, on va voir. J'ai du nouveau au sujet de votre blessure. Le personnel médical va examiner blablabla votre blessure et on va voir dans les prochains matchs. Simulation du match. On veut juste voir ce qui se passe. Contre les Golden Knights, ils sont 13-11. 21 jours de repos et... Ce qui revient à 28 jours d'indisponibilité. Pour une fracture de la mâchoire. Aïe, aïe, aïe. Donc on va utiliser le calendrier. On va simuler les 21 jours. Donc on va avec ces 3 semaines donc. On va y aller avec 1, 2 et 3 semaines contre le Wild du Minnesota. On manque 1, 2, 3, 4... Et Ellis établit... Ok, on manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 matchs, c'est beaucoup. Et on a perdu nos 2 matchs
lorsque The Rock est blessé. Donc, c'est pour vous montrer à quel point The Rock est essentiel dans cette équipe. On va être rendu au 29 décembre, donc ça va quand même assez vite la saison. Je suis heureux, surtout avec un marathon de même, ça nous fait avancer pas mal. Donc, défaite, on est 0-4 lorsque The Rock est blessé. Ouch, ouch, ouch. On est bon, enfin, on a réussi à aller gagner un match contre les Jets de Winnipeg. 22-13, ça va bien pour les Jets. On perd 6-1. Regardez comment la saison commence à tomber. 20-13-1. Bon, c'est pas si pire, mais on a une mauvaise séquence là. The Rock fait mal. Bon, deux victoires de suite, ça c'est positif contre les Blues. Faut les battre là. 18-19-2, faut les battre. C'est un match important et on réussit à aller chercher. Oh, on a le feu vert. Votre blessure s'est complètement résorbée. Et on a le feu vert des médecins. Donc on va jouer contre le Wild du Minnesota qui sont 22-9-6, qui ont une très très bonne saison. On joue deux matchs de suite. Donc on joue à l'extérieur contre le Wild du Minnesota. C'est parti, première période 1-0, Scott Hartnell. Deuxième période et voilà, 1-0, mission défensive. The Rock, on va essayer de pas trop se battre. Ou quand on va se battre, on va essayer premièrement de gagner et deuxièmement de pas se blesser. C'est parti. On est sur le banc de pénalité pour commencer et voilà, on est sorti avec deux joueurs. Donc c'était un 5 contre 3. Johansson, passe de Ryan vers Subban. Oh, belle chance de marquer. Marcus Granlund. Donc passe d'un Parisien vers Granlund. Ah, la passe, quel beau jeu. Nino Ryder. Le Wild sont très 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 dangereux. Oh, Parisien, kaboom. Good mise en échec sur Zach Parisien. Il récupère la rondelle, la passe d'avant. C'est qui est bloqué. Nino Ryder, good job. Arvidsson, nice pass on the rack. Il est parti jouer avec Arvidsson et Johansson pour débuter cette période. La passe à Arvidsson. Wow. Non. Si j'ai une chance, j'en éclate un, man. Frapper mon gun même, ça se passe pas de même. Oh, bel arrêt. Comme on récupère le puck, Nino Niederreiter. Oh, je l'ai essayé. Ryan Suter, tu sais, qui dévie. Bel arrêt. You wanna fight? Qui veut se battre? Toi? Adif, tu veux te battre? Come on! Et qui a un 2? Ah, c'est moi. Ben oui, je demande à 3 fois de me battre. Puis ils me sortent. Ridicule, ref. 16-58, j'aimerais, je veux tellement pas être descendu dans la NHL. Je mérite first de pas être descendu dans la NHL, surtout avec les stats que j'ai. Je pense que j'ai les stats pour ne pas être descendu. Bonino, il va d'un dégagement. On presse et on finit notre check. BOOM! Oh, come on! Il y allait pour le puck! Oh non! Troisième pénalité ce soir pour The Rock. Quelle mauvaise pénalité. Regardez ça. No way! Oh! Aïe aïe aïe, The Rock sur le quatrième trio, ben écoutez, j'essaie juste de faire sentir ma présence physiquement, de faire ralentir le Wild là, qui semble avoir des ailes suite à leur fiche de 22 victoires, 6 défaites, j'essaie juste de les ralentir. Zach Parisé, non, regardez ça, ils ont peur de The Rock à cette heure là, ils veulent pas trop essayer de feinte. Jared Spurgeon, Nino Niederreiter, good job, ils font rien quand je suis proche d'eux autres, ils font absolument rien, ils ont peur de The Rock. Nino, good job The Rock, ils font rien. Good job The Rock, go, come on. Faut que tu scores The Rock. Ah, le post. The Rock devant, ah, c'est raté. Come on, ah, calice, man. Oh, Zach Parisé. Longue présence, ben calvaire, laisse-moi le temps de faire un back check, d'aller changer. The Rock, la rapidité. Débord de défenseur, ben oui. Non, prends ton temps. Devant le filet, c'était bien essayé. Nino Ryder, bonne mise en échec et on va aller changer. 13-28 à faire et je pense que ça va être le dernier match pour The Rock. On a joué un match, on va en jouer seulement deux dans cet épisode-là vu que ça a été quand même assez long la simulation. 9-22 et je commence honnêtement à plus avoir de voix là. C'est ça qui arrive. Matt Collin, Semin. Collin n'a pas beaucoup d'options, on laisse quand même tirer. Hillis, nice pass on The Rock via Colton Sissons. 3 contre 2 Sissons. Nice. Oh, la passe. Et comme il va d'un tir dévié. Belle déviation. Brodin, pass à Rowe. Good hit. The Rock, non. Low shot. Wow, ça a bien fait. Matt Collin, la passe, coupée. Jérôme Higginla, good hit. Matt Collin et le dégagement. Qui a la rondelle? C'est Maria Secombe. Longue passe. Colton Sissons, la passe. The Rock, oh, quel fight! The Rock s'amène. La passe derrière. Hillis.
La passe. Tire de Willick. The Rock passait par là. Le tir, tir, tir. Oh, good save. Non, 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 non. Zucker. Come on, back check. Et on va aller changer. 8 minutes, 1-0 toujours. Le Wild continue de gagner et de garder leur avance lorsque The Rock est dans la formation. 3-51, 26-25 les tirs. Ça va extrêmement bien pour les gardiens. Zucker s'amène. Wow! Quelle mise en échec! J'ai un autre 2. Wow! Quel arrêt! Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est quoi le call? Assaut! No way! Il n'y a pas d'assaut là, ref. Come on! Le ref, il maillit. Check ça. Il y avait le puck. Bang! C'était limite. Il n'y avait pas de coude. The Rock, a only one problem with your face. Ta gueule, man. S'il y a bien quelqu'un qui ressemble à Hulk, c'est toi, calice de mon gueule. 3-37, 1-38. On s'est pas fait marquer de but. Ce qui arrive quand je fais des mises en échec comme ça, c'est que j'ai pas de points pour mise en échec. Je perds des points pour manque de discipline. The Rock s'amène. Quel fight! The Rock! Oh my god, c'est un beau petit jeu, ça. Il fait perdre le bâton. Scott! Oh non, 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 non. Puis ça, c'est légal. Fuck off! Stall, passe vers Koivu. Koivu, ça pas. Oh, belle feinte. Mikko Koivu. Good job. Brodin. Dumba. Non, 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 non! Good save. Calvaire, laissez pas les joueurs tirer de même. The Rock est là, récupère la rondelle. Et il va d'un revirement, récupère la rondelle. Ça prend une sortie de zone. Nice pass. Hartnell. Nice pass pour The Rock. Il déborde. La passe. Yoensinnery! Ryan Yoensin! Let's go! The Rock va chercher le puck dans le coin, se bat contre Mikko Koivu, gagne sa bataille 1 contre 1, passe à Hartnell, déborde un défenseur et remarque Ryan Yoensin qui va d'un tir parfait. Et voilà, 43 secondes restantes et c'est le but d'assurance. Et les Nashville Predators vont aller chercher la victoire. The Rock a un point à son retour dans la rencontre, dans l'alignement, obtient un point. Très positif. Donc, ça conclut extrêmement bien. Ah, ça conclut extrêmement bien ce marathon. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce marathon. Si vous avez apprécié, faites-moi le savoir dans les commentaires et sur la barre de like. Donc, je vais essayer d'en faire plusieurs fois des affaires comme ça. Surtout Biopro, j'adore ça, 22-14. Philip Forsberg est de retour dans l'alignement. C'est vrai, on l'avait perdu pour plusieurs matchs. On va simuler les deux prochains matchs, donc contre le Wild et contre Vegas. Première période, deuxième période, troisième période. Overtime, Colton Sissons a marqué. Une autre victoire contre le Wild. Le Wild, c'est une bonne équipe, donc c'est très positif. The Rock a obtenu aucun point et a fini 0 encore. Prochain match contre Golden Knights de Las Vegas, 16-16-4 pour Vegas. Choisir l'entraînement. On va y aller avec patinage et sprint, parce que sprint fait à l'aide la durabilité et l'endurance. Donc ça, c'est positif. Donc, on est maintenant 69 overall. That's it, on continue de monter. Rendu 75, moi je présume, moi je considère qu'on est de overall NHL. Donc on a encore beaucoup de chemin à faire. Yann Rock et Neil. Yann Rock et Johansson, donc c'est 3-3. Et on perd Piqué Subban et Johansson. On a perdu 6-5. Gros match offensif. Est-ce que The Rock a obtenu un point? Non, The Rock a pas de point. Il a fini moins 1. Ça, c'est pas positif du tout. Là. Le coach aimera pas ça. Pas tout. Prochain match à l'extérieur contre les Coyotes de l'Arizona. On ne jouera pas ce match. On va jouer le prochain épisode. Là, on va se concentrer. On va aller voir les stats. Les stats d'équipe et les stats de joueurs. Donc, Nashville, on est 4e, 23-15-1. C'est juste notre division. Dallas, le Wild et Winnipeg sont très solides. Donc, on se bat contre Chicago pour une place dans le Wild Card. De l'autre côté, il y a Edmonton qui est à... Il y a Edmonton qui est à combien de points? Qui est à 46 points avec presque égalité. Donc, va pas falloir relâcher les efforts parce qu'on n'est pas dans les playoffs, mais pas pantoute. On n'est pas assuré. Bonino 25 points, Craig Smith 24, donc c'est pas nos gros canons qui score. Johansson 23, Hartnell 21, Yann Rock 20, Hartvinson 20, Ellis, Yossi, Subban, Colton Sissons, Fiala, The Rock 13 en 30 matchs. Une bien moins bonne séquence.
que passe à The Rock là. 13 en 30, c'est pas incroyable. Ekong, Klo, Watson, Winnick, Forsberg, 3 en 5, il vient de revenir d'une blessure. On va aller voir dans toute la ligue pour les patineurs recrues. Ovechkin, 50 à 41. Déjà 39 buts. 39 buts en 41 matchs. Calvaire. Patineur recrue. Dylan Strome, 29. Haho, Keller, Ishier, Zaykov, The Rock. On est quand même là avec nos 30, nos 13 points. Et on a 10 matchs de jouer quasiment que la plupart des joueurs. Je considère pas qu'on a une si mauvaise saison que ça. Donc j'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye.